Salut, cher camarade. Salut, uh, cher frère. I hope everything's okay. We should stay mobilized. It's very, very important. We should stay mobilized because we shouldn't accept that all people who don't have the interest of African heart. Continue to co-knife with the west to destabilise Africa. Continue to co-knife with the west to, to make us stay in poverty, to make us stay in underdevelopment. We should deny, we should say no to it. Dis no as solar cells I and mean, mid-shell people as African. And every Nigerian person wey dey watch dis video, any Ghanaian wey dey watch dis video. Mais allons nous voix avec d'autres Africains pour dire non. Nous devons mobiliser nous-mêmes, fortement, fermement, et nous devons nous dire que nous ne voulons pas ce nonsensical nonsense. Les amis, le Niger nous parle. Parce qu'après le Niger, d'autres pays vont se libérer de cette souffrance imposée par l'impérialiste. Hein? Que des, des enfants d'Afrique, des gens qui ont déjà tout volé, qui ont pillé, qui sont en train d'installer les enfants en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, au pouvoir, nous oblige à accepter ce non-sens. C'est non et non et non de chez non. Il y a une très bonne nouvelle. Vous savez que Bazoum a commis des erreurs terribles, des erreurs irréparables. Bazoum a confirmé que les terroristes étaient plus armés et aguerris que l'armée nigérienne. Bazoum a humilié l'armée nigérienne. Il y a de cela un an, le chef d'état-major qui avait été débarqué, qui s'appelle Salefou Maudi, le général Salifou Maudi, a fait un discours, je crois si c'est le 13 janvier de cette année même, chers amis, chers peuples africains, pour apprécier Bazoum, il parlait au nom des militaires au pouvoir, des militaires nigériens, je vous l'ai dit. Et Bazoum était présent. Mais Bazoum a méprisé le général Salifou Maudi au point où vous ne pouvez pas imaginer. Bazouma, était, Bazouma a reçu l'ordre de Paris de, de débarquer le général Salifou Moudi. Il a été humilié. Il n'y a eu, pas eu de problème. Il a changé de chef d'état-major. Et son ce chef d'état-major, qui est en train de skier avec l'armée aujourd'hui, était allé où Au Mali, insulter les maliens en disant qu'ils ont fait une erreur grave, qu'ils vont regretter, qu'ils seront attaqués on va les mettre à genoux. Il est même allé aussi au Burkina Faso, tenir le même langage. C'est pour cette raison qu'il y a eu ces passes les injures sur les télévisions et tout. Et voilà le travail des basons. Les amis, quand je dis qu'il y a une bonne nouvelle, c'est quoi C'est que comme la CDAO est prête à intervenir militairement au Niger, que le Niger aille eu prêt, euh, le, le bénin de Patrice Talon qui fait une... C'est-à-dire que moi, j'ai pensé que c'était quelqu'un de solide, mentalement et autre, mais c'est un vassal que le Bénin est prêt pour intervenir au Niger, y a, ils ont quelle ami je me pose la question Le Sénégal, qui est coupé du reste du monde aujourd'hui les, les jeunes de Ziguinchor qui ont tout bloqué. ces dictateur qui s'appelle Macky Sall, qui a bloqué l'Internet, qui a emprisonné les opposants dans son pays. Cette organisation moribonde, cette organisation qu'on appelle la CDAO, qui fait la promotion de l'impérialiste. Cette organisation qui n'existe même plus parce qu'il y a quelques pays qui font partie, les autres pays disent non. C'est cette organisation qui veut aller intervenir au Niger pour tuer les Nigériens, pour tuer les Africains. African youth, we should stand up and say no to this nonsense. We should stop these stupid leaders or these rulers who are wasting our taxpayers money, who want to kill Africans. They are killing Africans because of the interest of the imperialists. And they want us to continue to support that. We should say no to that. We should condemn them. We should come out at mass. We should communication-wise. We should communicate and tell them no. We are not ready to support this nonsense. Africa needs to be liberated from the the imperialist uh, hands. What is happening, Nigerians? War is going to come to your land. War is going to be there in Abuja. There is going to be war in Lagos. You should stand up. The Nigerian military. It's time we put an end to this nonsensical nonsense. 30 is not possible, you should go and fight. I hear you prepare yourself in Sokoto and other downfather Danf state and other states in Nigeria, preparing troops to go and attack Niger. You meet your waterloo. The battle of Adwa which, between Italy and Ethiopia. Do you know about that battle? Yes, the Italian soldiers were not as equipped as uh, the uh, Ethiopian soldiers were not as equipped as uh, the Italians, defeated the Italians. That's what the Nigerian. Des the, 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 the Bénines, des the Béninoises, des uh, Sénégalistes, des au meet there. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, c'est bien la distraction, c'est bien d'insulter les gens, c'est bien de soutenir cette dictature, cette rebelle. Parce que la rébellion dans la Côte d'Ivoire a été créée par Alassandra Mawattara. Alassandra Mawattara a soutenu le coup d'État de 99 de Robert Gay. Il a soutenu ce coup d'État. It's on record, les archives sont là. Ne vous faites pas tromper. Alassane Ouattara n'aime pas la Côte d'Ivoire. Et Alassane Ouattara n'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce sont les Ivoiriens. Et la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Et la jeunesse ivoirienne, c'est une jeunesse forte, vaillante, qui est matérialisée comme la jeunesse camerounaise et les autres pays. C'est de ça qu'il est question. On ne doit pas accepter cela. Il est temps que ces dictateurs, ces dirigeants-là, se transforment en philosophes, doivent être pragmatiques pour sauver l'Afrique. Parce que nous n'avons pas accepté continuer dans la misère comme ça. Nous savons que nous sommes riches. Nous savons, mais paradoxalement, nous sommes très pauvres. Pauvres parce que les gens ont décidé de mettre la main sur notre sous-sol. Les gens ont décidé que nous devrons rester pauvres. Et avec la, la, la connivence de, 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 de certains enfants d'Afrique qui, qui, qui se comportent comme les étrangers en Afrique. Chers amis, chers peuples africains, chers camarades, j'ai dit que le général Maudit que Bazoum a humilié hier, c'est celui-là qui a fait le tout. Il était au Mali. Après, il était au Burkina Faso. Et selon certaines indiscrétions, il aurait rencontré les hommes de Wagner. Et Prigogine est déjà prêt à envoyer ses hommes au Niger, attendre les forces de la CDAO. Et on connaît Wagner. Ce n'est pas des peuples-là. C'est des gars aguerris qui ont des armes modernes, dont les hélicoptères, les blindés que. Les soi-disant pays de la CDAO, là, les certains pays contrôlés par l'Occident vont envoyer là-bas. Seront détruits. Vous allez voir les images. Ça va sonner fort au Nigeria. Ça va sonner fort en Côte d'Ivoire. Ça va sonner fort au Sénégal. Les Béninois vont ressentir cela. Il y aura des enfants du Bénin qui vont rentrer dans les cercueils. Il y aura des enfants du de Nigeria. Nigerian youths who are going to fight against their own brothers. You know the funny thing about these people? These leaders, they know themselves. They can talk. Mais they will send young people who don't know each other to go and kill themselves. Les Ivoiriens qui vont partir là-bas vont rentrer dans les séquelles. Les Béninois, la même chose. Les Sénégalais, la même chose. Et le Sénégal n'est pas, pas d'accord. Quand il dit le Sénégal, il parle pas du peuple sénégalais. Makissa n'est pas le Sénégal. Makissa n'est pas le Sénégal. Il n'a jamais consulté le peuple pour prendre cette décision bidon. La Sénégal, c'est quoi? C'est un groupe d'amis qui sont financés par l'Occident. Qui décide de maintenir le peuple noir sous le contrôle occidental. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas être comme ça. Que les élites occidentaux, euh, sorry, les élites occidentales donnent de l'argent, financent une organisation qui devient une organisation très dangereuse, comme les Nations Unies, comme l'Union africaine. Très dangereuse pour l'épanouissement et la libération de l'Afrique. On a créé ces organisations-là pour faire quoi avec les amis Pour une histoire des gazoducs euh, euh, sahériens pour une histoire de gazoduc sahélien, C'est pas possible. Donc comme je vous dis les amis, la mauvaise nouvelle pour la CDAO, c'est que la Russie s'engage aujourd'hui avec Wagner à défendre le Niger. Donc ils partent là-bas. Vous allez voir. Vous allez voir la catastrophe. Vous allez voir les larmes et là l'échec de la CDAO au Niger va faire tomber beaucoup de vassaux. Mind my words, l'échec de la CDAO au Niger va faire tomber beaucoup de vassaux de la France. La France a déjà signé son arrêt de mort en Afrique. La France pensait que son attitude paternaliste va l'aider. La France pensait qu'avec ses bases militaires, ça va l'aider. La France ne savait pas que l'Afrique, la jeunesse africaine, devait se retourner contre la France. Parce que la France nous traite comme des animaux. La France dit que la France ne peut pas recevoir toute la misère au monde. Mais la France... Pire le Niger. La France refuse l'exploitation du sous-sol nigérien par d'autres pays. La France prend le Niger comme son, sa propriété privée. Et les gens veulent qu'on applaudisse. On continue d'applaudir quoi comme ça là La CDAO, Wagner et la main nigérienne, burkinabé et malienne, vous attend. Et le Niger a déjà dit qu'il vous attend. L'Algérie a dit qu'ils vont, ils vont soutenir le Niger. La Mauritanie a dit exactement la même chose. Donc, si vous êtes des vrais garçons, allez donc au Niger. Il, a, il reste quelques heures. On veut voir le, les premiers soldats qui vont mettre leurs pieds sur, 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 sur la, 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 les terres nigériennes. Vous allez voir que la guerre va venir chez vous. Donc les jeunes de ce pays-là, contestez cela. Communiquez, taguez vos présidents. Dites-les que vous ne les avez pas envoyés décider à, 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 à votre nom pour vous tuer pour rien. Thank you friends. Restons concentrés. Bye bye.